بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. Est-ce qu'on peut me dire si le son est bon? Juri, salam alaikum. Est-ce que le son est bon, Hanan? Est-ce que le son est bon, Sarah? Latifa, Salam. Salam alaikum, Asma. Merci. Super. Est-ce que le son, ça, c'est bon, c'est juste? الحمد لله. السلام عليكم اختي ايمان. السلام عليكم حواء. Je vais laisser les gens se connecter un petit peu. بسم الله الحمد لله ان شاء الله. Je sais pas si c'est le thème qui fait ça, mais il y a plus de connexion que d'habitude. Inch'Allah. Ok, on va faire doigt, Inch'Allah, pour ouvrir. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah wa salatu salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. الحمد لله الذي أهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك يا حي. Donc, السلام عليكم à vous toutes et à vous tous. Donc j'avais annoncé les questions qui allaient être abordées ce soir. Donc ce sont des questions qui méritent que l'on prenne vraiment le temps de d'y répondre, tant elles sont mises et remises sur le tapis. Alors bien sûr, hein, on pourrait écrire des livres, ne serait-ce que pour traiter chacune de ces questions, une question mériterait au moins un livre. Donc voilà, je vais essayer du mieux que je peux de vous faire part de mes méditations, si je puis dire, de mes réflexions. Et puis on prendra quelques temps, Inch'Allah, pour lire vos commentaires et voir ce que vous pouvez aussi nous apporter dans vos réponses, Inch'Allah. Donc la première question que je voulais aborder ce soir, c'est la question de la position de l'islam au sujet de la psychologie, certains diraient laïque. En tout cas, on pourrait élargir cette question en disant quelle est la position de l'islam au sujet de toutes les sciences qui seraient profanes. Mais moi, je vais m'arrêter ce soir sur la position de l'islam au sujet de la psychologie. Quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc, on va prendre un peu de temps pour répondre à cette question. Moi, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est de prendre en considération ce qui amène les gens à se poser ce type de questions. Et plutôt que de les juger, plutôt que de dire « Oh, ça y est, tout de suite les grandes questions », moi, je pense que c'est légitime de se poser cette question. Et que plutôt que de balayer d'un revers de la main ce type de question, il faut prendre le temps pour peut-être éviter qu'elle ne cesse de revenir à chaque fois. Donc je pense, Allah alim, que déjà ce qui suscite le fait que les gens puissent être amenés à se poser ce type de question de la position de l'islam au sujet de la psychologie, ce sont d'abord leurs peurs.
sont d'abord leurs peurs, sont d'abord leurs inquiétudes, et donc on doit écouter leurs peurs. Qu'est-ce qui leur fait peur? Ben, c'est la peur pour les uns de dénaturer le message, c'est la peur de s'égarer, c'est la peur de s'éloigner de leurs fondamentaux. C'est la peur parfois d'être manipulée, la peur de l'abus de confiance. Et la peur, ben, c'est une émotion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée comme toutes les autres. Et à mon humble avis, toutes les émotions que l'on ressent, elles ont un rôle positif à jouer. Et en l'occurrence, la peur, un des rôles qu'elle a joué, c'est qu'elle nous permet normalement de nous protéger des risques. Et d'être donc plus précautionneux et de garder un esprit qui serait davantage critique. Donc du coup, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala place la peur en nous, c'est pour prendre des décisions appropriées devant d'éventuels dangers. Et donc, en cela, c'est positif. Maintenant, comme toutes les émotions qu'on serait amené à ressentir, ces émotions peuvent prendre le dessus et donc ne plus jouer leur rôle positivement. Et donc là, leur rôle positivement qui serait de prendre du recul, avoir un esprit critique, la peur là, si elle prend le dessus, elle peut être donc avoir un effet négatif, et ça serait quoi? Ça serait qu'elle nous isolerait et qu'elle nous enfermerait sur nos acquis, qu'elle dirait que ben non, on va se suffire du Coran et de la Sunna, presque comme si on n'était pas confiant en nos certitudes, et comme si on capitulait dans le fait de faire l'effort de distinguer le bon grain de l'ivraie, et de pas faire l'effort de vérifier si pas faire l'effort d'avoir cet esprit critique, et puis de s'isoler dans ses savoirs. Et Dieu sait que ce n'est pas ce que préconisent les femmes, et c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir ensemble, inchallah. Donc moi, je pense que cette question, elle est complètement légitime. Et à nos peurs, bah, on va essayer d'apporter les réponses appropriées, bah, pour que les débats, si je puis dire, cessent ou du moins diminuent. Donc déjà, sur la question de sur quoi on a le droit d'étudier, qu'est-ce qu'on a le droit d'étudier, et sur quoi on a le droit de méditer, et quels sont les thèmes sur lesquels on n'aurait pas le droit de réfléchir. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est clair à ce sujet, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méditez sur la création d'Allah, mais pas sur Allah. Méditez sur la création d'Allah, mais pas sur Allah. Et donc déjà dans ce hadith, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin Dieu à travers son prophète, nous fait dire que vous pouvez méditer sur toute sa création. Méditer, ça veut dire quoi? C'est tirer des enseignements, c'est réfléchissez sur, c'est soyez impressionné par, c'est regarder, méditer sur toute la création d'Allah, sauf sur Allah. Donc ça veut dire que j'ai mis en vous toutes les capacités pour pouvoir méditer sur la création d'Allah, mais vous n'avez pas en vous les capacités et le potentiel et suffisamment de connaissances pour méditer sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me rappelle une fois un propos quand j'étais toute jeune, on avait encore les cassettes VHS, on écoutait des conférences, et je me rappelle parmi les premières conférences qu'on écoutait, il y avait celle de notre frère Hassan Iqwisen, Allah yajazih bikul khair. Et je me rappelle une fois, il avait donné un exemple et ça m'a marqué, parce que je m'en souviens plusieurs années après, on va dire des décennies. Il avait donné pour exemple d'un homme qui marchait sur la plage et qui avait muni d'un seau, et qui voudrait faire rentrer dans son seau toute l'étendue de la mer. Et il nous dit bien sûr que c'est impossible. Et il nous dit, ben voilà, pour pouvoir appréhender l'immensité, la grandeur et oui, c'est ça, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben on n'a pas on n'a pas le contenant, on n'a pas la possibilité. Par contre, méditer sur la création d'Allah, oui. Et
quand le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith? Méditer, c'est-à-dire que c'est pas vous pouvez méditer, c'est méditer sur la création d'Allah. Donc déjà sur cette inquiétude qui serait de quels seraient les sujets qui seraient qu'on aurait le droit de sur lesquels on aurait le droit de méditer ou, ben voilà, le champ et le spectre est très large sur la création d'Allah. Deuxième peur et inquiétude, c'est au sujet du fait de dénaturer le message. Et là, Allah te rassure. Et il te rassure dans la sourate Hijr au verset 9, lorsqu'il dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Et ici, bien sûr, le « nous », ce n'est pas « nous, vous et moi ». C'est le nous majestueux, c'est le nous divin, bien sûr. Et donc là, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, ne t'inquiète pas au sujet du Coran et de ton islam en tant que tel, car Allah subhanahu wa ta'ala veille, et c'est « inna nahnu wa inna lahu la hafidun ». Salamu alaikum, salamu alaikum. Salam alaikum, mon cher Baba. Salam alaikum, bienvenue à toi, Baba. Donc, je disais le thème qu'on est en train de traiter, Baba, je ne sais pas si tu as vu, mais la première question, c'était quelle est la position de l'islam au sujet de la psychologie, puis on va voir après d'autres thèmes sur le développement personnel. Donc, je disais que cette question, elle était légitime et que et qu'est-ce qui est caché derrière cette question, ce sont des peurs et que plutôt que de balayer d'un revers de la main les personnes qui se poseraient ce type de questions, non, il faut les rassurer, il faut répondre à leurs peurs parce que sinon, on ne règle pas en réalité le problème de fond. Donc, par rapport à d'autres peurs qui seraient cachées derrière cette question, ce serait le fait de faire passer une science humaine devant la science de Dieu. Et en tant que musulman, cette notion-là, elle est claire. C'est qu'on part du principe que Allah est le parfait. C'est lui le parfait par excellence et que la meilleure des créatures qu'il a créées et la plus parfaite, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À part lui, tous les descendants d'Adam commettent des fautes et tous les descendants d'Adam alayhi wa sallam sont des êtres qui ont été créés imparfaits. Et donc, dans toute approche qu'il fera de la réalité humaine, il y aura forcément des manquements, il y aura forcément des oublis. Il y aura forcément des incertitudes. Et ça, on le sait. Ces erreurs-là, c'est inhérent à notre propre nature. On est par essence déficient. Donc oui, bien sûr que dans tout ce que va produire, il n'y a aucun livre qui sera aussi complet que le Coran parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait imparfaits, que tout ce que va écrire l'homme sera incomplet. Ça sera incomplet parce qu'il n'a pas mesure de tout ce qui a existé avant lui et il ne sait pas encore tout ce qu'il va avoir après lui. Et il n'a que ce qu'il a entre ses mains et il n'a que sa vision du monde. Et donc, si tu pars de ce principe-là, normalement, ça te permet de calmer cette peur du risque de faire passer une science humaine devant la science de Dieu. Et donc lorsque le musulman prend en référence la psychologie, il n'est pas en train de dire que cette science connaît mieux l'humain que Dieu lui-même. Parce que sinon, bien sûr qu'il sera en contradiction avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsqu'il dit « Hada khalqullah fa'aruni mada khalaqa alladhina min dunihi » Lorsqu'il dit ça, c'est ma création, voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ceux qu'ont créé, ceux qui sont en dehors de lui. Bien sûr qu'en tant que musulman, on est persuadé de ça. On n'est pas en train de dire qu'on connaît mieux l'humain que Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais lorsque le musulman il étudie la psychologie et lorsqu'il y fait référence, qu'est-ce qu'il cherche en réalité? Il cherche à mieux comprendre la création divine en application du hadith que j'ai cité précédemment. Et moi, je suis persuadée que celui qui cherche à mieux comprendre l'humain, sincèrement, non pas bien sûr avec cette intention d'anthropothéisme où on ferait passer l'humain pour un dieu. Eh bien, celui, j'en suis sûre, qui cherche à mieux comprendre l'humain, et qui, ça va l'aider à réformer son âme, et au-delà de ça, sur le chemin, celui qui regarde à l'intérieur, forcément, il rencontre Allah. Pourquoi? Parce que Allah, il le dit. Allah, il le dit, fait le Coran Karim, et il dit quoi? Il dit que l'homme, que Dieu intervient entre l'homme et son cœur. Donc, tu as plus de chances de rencontrer Dieu et de mieux comprendre ce qu'il attend de toi quand tu cherches à comprendre quel est donc cet humain et c'est quoi être un être humain. Et qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il nous dit qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc, plus tu vas te rapprocher de toi sans cette intention, bien sûr, d'anthropothéisme, et plus tu as de fortes chances de rencontrer le divin. Donc, voilà comment, en réalité, le musulman, il ne doit pas se moquer de ceux qui ont des craintes, mais il doit rassurer. Et en apportant, finalement, ces peurs-là, ce sont des constructions de l'esprit. Et donc, pour déconstruire ces constructions de l'esprit, il faut apporter des faits, des propos justifiés qui font que, ah oui, là, ça calme mes peurs, ça confirme, ça me rassure, en fait, voilà. Donc, sur cette notion où on devrait seulement se contenter d'étudier le Coran et la Sunna, là, quelles sont les preuves que l'on peut apporter contre cela, si je puis dire, j'aime pas dire le mot contre, mais pour justifier le contraire, ce serait que il suffit de lire le Coran et de constater que combien sont les versets où Allah subhanahu wa ta'ala insiste. Il insiste pour et il pousse l'être humain à raisonner. Il pousse l'être humain à réfléchir. Il pousse l'être humain à faire appel à son intelligence. Il pousse l'être humain à l'observation. Et c'est en observant qu'il va comprendre et réfléchir. Pardon. Il lui dit, et il l'appelle à faire appel à tous ses sens. Y a-t-il des signes pour les gens qui regardent, pour des gens qui entendent? Et il invite à regarder en lui et à regarder à l'extérieur de lui. Et pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des signes de sa grandeur partout. Et au-delà de ça, il a mis des signes de sa grandeur partout, mais ça va plus loin. C'est que il a mis en toi de quoi appréhender ces signes. C'est-à-dire qu'il a mis en toi les capacités physiques, les capacités neuronales, les capacités psychologiques, les capacités mentales, analytiques, pour pouvoir appréhender sa grandeur à travers tous les signes qu'il a mis autour de nous. Et il a donné à l'homme quelque chose de fondamental. Dans un des versets, Allah il dit « Allamahu al-bayan ».« Allamahu al-bayan », »« al-bayan », c'est le Coran qui t'aide à discerner le bien du mal, mais pas que. « Al-bayan », c'est aussi en toi cette faculté de faire preuve de discernement, cette faculté de faire preuve de jugeote. Et Dieu sait que la civilisation islamique a régressé, entre guillemets, à ce niveau-là, et elle n'est plus cette civilisation des lumières qu'on a connues, parce que je pense elle s'est éloignée de cela. Elle s'est éloignée de sa curiosité, elle s'est éloignée du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit du berceau à la tombe, et qui te dit du berceau à la tombe, tu dois te mettre en quête de savoir, parce que celui qui aspire au savoir adore Dieu. Et je ne sais pas si ce sont toutes ces peurs, je ne sais pas si c'est
le repli sur soi. Il y a plusieurs paramètres qui vont justifier cela. Mais en tout cas, pour calmer répondre à cette question et calmer les peurs qui seraient qui reposent sur le fait que l'on ne puisse pas étudier autre chose que l'islam, il suffit de lire le Coran pour voir que, bien évidemment, non. Et pour mettre entre guillemets un coup final à cette peur, pour vraiment lui dire tu n'as pas lieu d'être, et pour travailler donc sur la confiance, je vous invite à reprendre, à ouvrir votre Coran si vous ne la connaissez pas, mais à reprendre la sourate, la première sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée. Si tu reprends cette première sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée par l'intermédiaire de l'ange Gabriel au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde normalement se rappelle que le premier verset qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Iqra. Ça veut dire quoi, lit? Lit, sous-entendu apprend, sous-entendu comprend, mais lit quoi? Lis les événements, lis la nature, lis en toi. Mais le verset, il ne s'arrête pas là. Le verset, il ne s'arrête pas là. On reprend notre haine, qu'est-ce qu'on dit? On lit quoi? Iqra, comment? Bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, oui, comprends, oui, étudie, oui, mais comment? Au nom de ton Seigneur. Mais quel Seigneur? Alladhi khalaq. Et ça, c'est très important, alladhi khalaq. Parce que très vite, quand tu vas apprendre, tu vas te prendre pour celui qui est Alladhi Khalaq. Et tu auras cette tentation de l'homme qui se prend pour Dieu. Donc Dieu, il te dit quand tu apprends. Dieu, il te dit quand tu comprends. N'oublie pas, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Mais qui a créé qui? Alladhi Khalaq quoi? Khalaq al-insana min alaq. N'oublie pas, tu n'es et tu n'as été qu'une adhérence. Donc Dieu te rappelle, il nous rappelle que lis, apprends, mais comprends avec humilité, car tu n'as été qu'une adhérence, et je suis ton créateur. Et ensuite, toujours dans cette même sourate, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, wa rabbuka al-akram, lis, ton Seigneur est le très noble, ne t'enorgueille pas de ton savoir. C'est moi le très noble. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui va t'apprendre ce que tu ne sais pas. Et quoi? Allama bil qalam. Dieu a enseigné par la plume. Cette plume, subhanallah al-azim, cette plume, c'est la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Allah, avant de te créer toi, avant de me créer moi, avant de créer ay haja, Allah, il a créé quoi? La plume, ya ibad rahman. Cette plume, il l'a créée à partir de quoi? D'une lumière. Et cette lumière, elle est faite à partir de quoi? De perles blanches. Et elle a quelle taille? Elle est aussi grande que la distance entre les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer sa grandeur. Et qu'est-ce qu'il a dit à cette plume? Allah, il s'adresse à la plume. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écris. Imaginez ce moment-là où Allah, subhanahu wa ta'ala, il crée cette plume et il dit à la plume, écris. Et qu'est-ce que répond Al-Qalam? Seigneur, mais qu'écrirai-je? Qu'est-ce que je dois écrire? Qu'est-ce que je vais écrire? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, transcris ma science, celle de ma création et tout ce qui existera jusqu'au jour de la résurrection. Allah, Allah a la plume, il lui dit écris, et à nous il nous dit lis. Donc Dieu a enseigné par la plume. Donc si tu cherches l'ilm, lis. Sous-entendu, c'est moi qui t'enseignera. Et bien sûr tu dois demander ilm nafi. Mais quand tu te reconnectes à cette sourate,
normalement tes peurs s'apaisent. Mais par contre, Allah, il te dit, lis, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, mais il te met en garde, il nous met en garde au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Je sais, je te connais, toi, ma créature, tu vas lire, tu vas apprendre, tu vas comprendre. Mais quoi? Kalla innal insana la yatgha. Vraiment, l'homme aura tendance à devenir rebelle. Comme par hasard, ce verset sur ce côté rebelle, il est dans une sourate où il est question de connaissance, de lire, d'apprendre. Donc là, Dieu nous dit quoi? Il nous dit, apprends, lis, mais fais attention à tout ce qui te fera sortir de l'orbite du divin, de l'orbite de Dieu. Pourquoi? Parce que Ar-Rawah Astarna. Parce que si tu sors, si tu fais sortir Dieu, hein, Nietzsche a dit Dieu est mort, si tu fais sortir Dieu de ton orbite, forcément, l'être humain n'aime pas le vide. La nature humaine est faite pour ne pas aimer le vide. Le vide est tout vide et par essence rempli par quelque chose. Même quand tu penses qu'il n'y a rien, il y a du gaz, il y a quelque chose. Et donc, si tu enlèves Dieu, tu vas mettre forcément quelque chose ou quelqu'un dans l'orbite. Et forcément, et très généralement, c'est toi que tu vas mettre au centre. Et tu vas te croire autosuffisant. C'est ça, un rosterna. C'est-à-dire que, enrichi de tes prétendues découvertes, enrichi de tes prétendues nouvelles certitudes, imbu de ta personne, tu vas te dire, moi, je sais. Non, 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 non. Non, non, toi, tu ne sais rien. Allama al-insana ma la ya'lam. C'est Allah qui t'apprend ce que tu ne sais pas. Et ça me fait penser à un témoignage de Boris Cyrulnik qui, dans son livre La psychothérapie de Dieu, et, mais je ne sais pas si c'est dans son livre, mais je crois que c'est dans une interview qu'il a faite, où on lui a dit, tiens, c'est bizarre bien évidemment, pour un psychologue de parler de Dieu, c'est comment se fait-il que vous avez voulu écrire un livre sur Dieu, et en plus de parler de psychothérapie de Dieu, comment vous pouvez écrire un tel livre? Et comment vous est venue l'idée d'un tel livre? Et j'ai trouvé sa réponse fort belle. Il dit, bah, écoutez, lorsque j'ai eu à recevoir dans mon cabinet en tant que psychothérapeute des patients et qu'il était question de résilience, c'est-à-dire de faire appel à cette capacité que Dieu a mis en l'homme. Ça c'est moi qui parle quand je dis Dieu a mis en l'homme pour pouvoir supporter ce qui lui arrive dans la vie. Et bien mes patients me disaient, et là c'est lui qui parle, heureusement que j'avais Dieu dans ma vie parce que sinon je pense que j'aurais pas pu supporter. Et il disait que lui, quand ses patients disaient ça, ben, il avait rien dans ses livres, il avait rien dans ses cahiers qui lui disait Dieu. Et ça allait même plus loin, il disait que pire que ça, comment ce qu'on lui avait toujours enseigné, c'est que c'était lui qui devait aider, et c'était à lui d'aider, et pas Dieu. Et que finalement, presque Dieu était un concurrent, et que donc, qu'il a compris en tout cas, que c'est comme ça que l'homme risque de. C'est le risque dans lequel l'homme peut tomber, c'est d'être et de se mettre en concurrent avec Dieu. Et le premier péché qui a été, et la première tentation qu'a connue Adam alayhi salam, c'est qu'il était question d'une tentation de l'homme qui a voulu prendre une des qualités divines, qui est celle de l'éternité. Si tu ne manges pas de ce fruit, que Dieu t'a interdit, tu avais le droit de manger tout, tu as le droit de tout faire. Juste à être le manque. Mais il n'a vu que ce manque-là. Et il n'a eu Dieu que de ce manque-là. Il n'arrivait plus à apprécier tout le reste, tellement il lui manquait juste cela. Et ce juste cela, Shaitan, il va lui dire, écoute, Dieu t'en prive parce que si tu le manges, tu risques de devenir comme lui.
Et c'est vrai que, du coup, tous les descendants d'Adam auront aussi dans leur gène ce risque et cette tendance humaine que d'oublier le fait que tu n'es qu'une adhérence et attention de ne pas te croire tout-puissant et imbu de ta personne. Et dans la fin de la sourate, pour éviter cela, Dieu te dit, replace ta présence à l'échelle du temps. Et n'oublie pas, Inna ila rabbika raji'un, c'est vers ton Seigneur qu'est et sera le retour. Donc je terminerai sur cela par rapport à la question de quelle est la position de l'islam au sujet de la psychologie. Parce qu'on pourrait faire un livre, mais voilà, j'ai voulu, en répondant à cette question, montrer que en réalité, ce qui est derrière cette question, ce sont des peurs et que plutôt que de s'en moquer, il convient de prendre le temps et de les rassurer par le biais du Coran, par le biais de la certitude en Allah et de sa confiance. Donc voilà, j'espère déjà. Par rapport à cette question, il faudrait peut-être que les personnes qui ont encore ce waswas se réapproprient le texte et se réapproprient peut-être les versets que j'ai cités. Mais vraiment, si on se remémore l'histoire, on voit bien que les musulmans, normalement, sont loin et devraient être loin de se poser ce type de questions, inshallah. La deuxième question, déjà, est-ce que par rapport à cette première question, salam alaikum, Amélie, salam alaikum, est-ce que le son ça a été déjà par rapport à cette première question, par rapport donc à la relation de l'islam et de la psychologie? Oui, ça va. Inch'Allah. Autre question que je voulais aborder avec vous. Salam alaikum, Ortilamia. Autre question que je voulais aborder avec vous, c'est la question du développement personnel. La question du développement personnel, il y a une recrudescence de questionnement, si je puis dire, sur le fait que comment se fait-il que de nos jours, de plus en plus de musulmans s'intéressent au développement personnel? Que les rayons là pour les fêtes de Noël sont les rayons de livres de développement personnel sont bondés, les livres sur le coaching, les livres et les gens sont friands, intéressés. Comment se fait-il que de nos jours il y ait de plus en plus de monde qui s'intéresse au développement personnel et notamment chez nous dans la communauté? Et comment se fait-il qu'il y ait ce besoin de plus en plus pressant d'aller voir d'être suivi, d'aller voir un coach, d'être accompagné, aidé sur le chemin. Donc, comme vous le savez peut-être et sûrement, ce thème-là me parle particulièrement parce que j'ai écrit sur la question depuis maintenant. Ça fait le premier livre que j'ai écrit sur le développement personnel, c'était en 2007. Donc voilà, c'est un thème qui, oui, qui me parle, que j'ai expérimenté et qui m'accompagne au quotidien. Et on va voir ce soir
finalement le lien avec l'islam et comment nous, en tant que musulmans, on va comment nous, en tant que musulmans, on va appréhender le développement personnel, les pièges dans lesquels on ne doit pas tomber, et finalement en quoi en quoi le musulman peut tirer toujours profit d'une science, et en quoi le musulman finalement, grâce à sa foi, arrive à utiliser toute science utile, inshallah. Comment le développement personnel en islam peut-il être envisagé? Le développement personnel en islam, il est envisagé et basé sur l'idée de ce qu'on appelle le méliorisme. Le méliorisme, si on rajoute un A, ça ferait, vous entendez, améliorer. Le méliorisme, c'est le principe selon lequel, si on fait un effort, on peut toujours mieux faire. Le méliorisme, c'est le principe selon lequel aussi le monde tend à s'améliorer, ou plutôt peut-être amélioré par l'effort de l'homme, à condition qu'il cultive son jardin intérieur et son jardin extérieur. Et pour nous, en tant que musulmans, comment? Eh bien, à l'aide d'une méthodologie qui serait donc, en l'occurrence, spirituelle, et c'est aussi pour ça qu'on a créé le groupe Coach Ta Vie vers l'Ihsan. Et donc, quelles seraient donc dans nos sources les versets du Coran ou les hadiths ou les événements qu'on pourrait tirer de la Sira qui nous font dire que le développement personnel, c'est quelque chose d'islamique? Ben, déjà, dans ce que je viens de dire, ça doit nous rappeler, nous faire rappeler le verset 11 de Sourate Ar-Ra'd, quand Allah dit, et il y a un autre verset qui est à peu près du même ordre, où Allah dit: Dieu ne change pas les conditions d'un peuple, la condition, pardon, d'un peuple, tant que celui-ci ne change pas ce qu'il a changé en lui-même. Donc ça, si c'est pas du développement personnel, je sais pas c'est quoi. Allah ne change pas la condition d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qu'il a à changer, ou ça, en lui-même. Donc ça, si c'est pas un appel au changement et un travail d'introspection, je ne sais pas c'est quoi. Dans un autre verset, qu'est-ce que Dieu nous appelle aussi à faire par l'intermédiaire de son prophète Shuaïb? C'est cette notion, et ça aussi c'est donc une des notions qu'on va retrouver dans le développement personnel. Donc un, j'ai dit que c'était la question de se changer en lui-même. On va voir ce que ça veut dire, se changer en lui-même. Autre notion aussi qui peut nous faire penser à du développement personnel, c'est quand Shuaïb, il dit je ne veux que la réforme autant que je le puis. Dans Sourate Hud, au verset 88. Je ne veux que la réforme autant que je le puis. Le développement personnel en islam est basé sur cette notion de réforme. La réforme intérieure pour une réforme sociétale, toujours dans le même principe. On va voir que le développement personnel en islam, c'est pour soi, mais pas que. C'est pour soi, pour un impact dans la société, un impact dans sa famille, un impact plus large. Donc c'est concentrique, c'est soi vers les autres. C'est un retour en soi pour un bien-être et un mieux-être vers les autres. Quand on analyse les raisons pour lesquelles ont été envoyés l'anbiya, les prophètes et les messagers, tous les prophètes ont été envoyés pour parfaire nos caractères. Et c'est ce que Dieu dit aux prophètes, notamment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: tu n'as été envoyé que pour parfaire les caractères. Mais ça veut dire quoi, parfaire les caractères? Il les a envoyés pour nous apprendre ce que l'on aurait pu apprendre sans eux, mais il les a aussi envoyés pour parfaire les caractères. Et ça veut dire quoi, parfaire les caractères, si ce n'est du développement personnel?
Alors, parfaire les caractères, ça veut dire que le but n'est pas de changer nos caractères. C'est ce que je reviens encore avec l'améliorisme, c'est d'améliorer, de tendre vers la perfection dans nos caractères. Parfaire, on verra, si le temps nous le permet, c'est cette notion d'ihsan. Et d'où le nom coach ta vie vers l'ihsan. Donc le but n'est pas de changer d'identité, de devenir quelqu'un d'autre. Être musulman, être musulman, ce n'est pas devenir le clone de quelqu'un d'autre et qu'on serait tous les mêmes versions d'un même être. Non. Il suffit d'étudier la Sira pour s'apercevoir que Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, c'est pas Omar ibn al-Khattab. Sayyidina Omar ibn al-Khattab, c'est pas Sayyidina Uthman, etc. etc. radiallahu. Donc, le but, c'est de comprendre nos différences, mais aussi d'en faire un atout et de savoir que parler. Et de savoir nous parler et nous entreconnaître en fonction de qui l'on est, et de devenir la meilleure version de soi-même. Et dans le développement personnel en islam, pour devenir la meilleure version de soi-même, de quoi il est question? Il est question de purification. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils décrivaient ce qu'ils ressentaient et ce qui leur arrivait quand ils étaient en présence du prophète, ils disaient: il nous vidait, puis il nous remplissait. Et le développement personnel en islam, c'est cela. C'est le dépouillement de ce qui nous encombre. C'est le nettoyage de ce qui nous salit. C'est nous vider, c'est le détachement, al-qana'a aussi, c'est se contenter de ce que tu as. Donc, et la purification. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par l'âme et par celui qu'il a harmonieusement façonné. Et là, il nous rappelle ce qu'on vient de dire en répondant à la première question. Oui, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et il nous veut du bien pour nous plus que l'on en veut à nous-mêmes. Et il jure, et qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a mis en nous fujuraha wa taqwa, qu'il a mis en elle, en cette âme, sa tendance à l'immoralité, mais aussi sa piété. Et donc dans le développement personnel en islam, c'est d'être honnête sur nous-mêmes et d'être, comment je vais dire ça, d'être comment je vais dire ça, d'accepter fujuraha, d'être de se dire: oui, je sais, je suis un être qui aura cette tendance à, mais je tends vers et j'essaye d'augmenter taqwa, sa piété. Mais comment? Ben Allah, il jure que si tu veux y arriver et si tu veux réussir alors fais l'effort de quoi? Qad aflaha man zakkaha, fais l'effort de la purifier. Alors, est-ce qu'il existe une notion spécifique qui nous permettra, à la lumière de la spiritualité et de l'islam, qui nous aiderait donc à faire ce développement personnel-là? Mais il y a plusieurs chemins et plusieurs façons de l'appréhender. Mais si, dans cette vidéo-là, je vais essayer d'aller à l'essentiel sur Allah. Ah oui, aller à l'essentiel, on va en parler. C'est aussi du développement personnel. Et c'est ça, cette idée de il nous vidait. Il nous vidait du superflu, de l'éphémère, de ce qui finit pour nous remplir de l'éternité et de l'amour de l'éternel. Donc je disais qu'il existe plusieurs méthodologies. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses à réformer.
on n'a pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait et a dit à Sayyidina Omar radiyallahu anhu pour éduquer son nefs. Ce ne sont pas les mêmes choses qu'il aura dit à Sayyidina Abu Bakr. S'il a choisi Ali et pour le mettre dans son lit lorsque les Quraysh voulaient attenter à sa vie, s'il a mis lui, c'est pour une raison qui lui est propre, parce que Ali avait en lui cette idée de loyauté, cette idée qu'il était prêt à mourir pour la cause, et cette idée qu'il avait envie d'être celui qui occuperait cette place et cette position-là. Et donc pour le valoriser, pour le mettre en valeur et pour l'aider à parfaire son caractère, il lui a permis d'avoir confiance en lui en le mettant dans son lit. Donc, si on reprend la sérum, on s'aperçoit que par rapport à Sayyidina, on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le plus grand des psychologues. Et que c'est normal, parce que Allah l'a choisi pour être la plus parfaite des créatures. Et donc, je disais que il y a plusieurs méthodologies qui existent, car on n'a pas tous les mêmes choses à réformer. Mais Dieu, il a mis quand même des jalons, des grandes étapes, on va dire, qu'il nous a transmis par l'intermédiaire de Sayyidina Jibril dans le fameux hadith où il nous enseigne qu'est-ce que notre religion. Ce fameux hadith où il dit les fameuses grandes étapes islam, iman, ihsan. Ça vous dit quelque chose? Et quand les compagnons étaient réunis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont vu arriver cet homme vêtu de blanc qui n'avait pas sur lui de traces de voyage, et qu'ils se sont tous interrogés, mais il est qui? Et qui va se mettre devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les genoux contre ses genoux, et qui va lui. Donc c'est la meilleure façon dont on transmet ce, en tête à tête, malgré le reste du monde. Et il lui a dit quoi? Qu'il allait lui enseigner sa religion, et qu'il est l'ange. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire après que c'est l'ange Gabriel, et il va lui expliquer ces trois grandes étapes que sont l'islam, l'iman, et donc dans comment on pourrait retranscrire ces trois grandes étapes dans le développement personnel en islam. Voilà, c'est comment on peut utiliser ça pour tazkiyat an-nafs, parce que c'est ça en réalité le développement personnel en islam. Eh bien, on va essayer ensemble d'imaginer, de schématiser ces trois étapes-là. Pardon. Alors, imaginons que, avec l'aide d'Allah, voilà, on est des randonneurs, on est tous là. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur son chemin et de nous aider à progresser dans cette idée que voilà, le musulman, c'est quelqu'un qui progresse. En islam, le développement personnel, pourquoi on dit développement personnel? C'est qu'il y a un principe en islam, c'est que tu ne peux pas stagner. Tu vas dire, ouais, en ce moment, je fais rien. Tu fais rien, tu régresses. Le musulman, c'est quelqu'un qui toujours progresse. Par contre, ce qui est préconisé, on le sait, c'est l'endurance. Le musulman, il doit pas, ça ne doit pas être un sprinteur, parce que sinon tu t'essouffles. Et c'est pas ce que Dieu attend de nous, il nous le dit. Et ce qu'il préfère, c'est un petit effort, mais il préfère une petite progression, mais qui dure et qui dure sur la durée. Alors, on est des randonneurs et on part et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à cheminer. Et il nous apprend par l'intermédiaire de ce hadith que tu veux cheminer. D'accord. La première étape, c'est l'étape de l'islam. Tu veux cheminer? Ben, tu dois passer l'étape de l'islam. Mais c'est quoi l'étape de l'islam, ya Allah? C'est quoi l'étape de l'islam?
Bah écoute, l'étape de l'islam, c'est, on sait étymologiquement, entre autres, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs définitions du mot islam, il est question de soumets, soumets-toi. Ah bon, la première chose que tu me demandes, alors que pour si je veux cheminer dans du développement personnel, c'est que je dois me soumettre. Oui, tu dois te soumettre. Mais tu dois soumettre quoi? Et ça nous fait revenir à Iqra. Ça nous fait revenir à cette tendance que l'être humain aura à s'enorgueillir. C'est l'étape qui consiste à soumettre son ego, ses désirs. C'est l'étape de la maîtrise. Tu veux cheminer, alors d'abord, maîtrise-toi. Tu veux cheminer, alors apprends à te contrôler. Contrôler quoi? Contrôle ta colère, contrôle ta langue, contrôle tes yeux, contrôle tes pensées, contrôle tes, ne sois pas dans la réaction. C'est l'étape, tu veux cheminer. L'étape de l'islam, c'est l'étape de reprends les rênes en main de ton carrosse. C'est l'étape qui t'invite à redevenir le maître et libère-toi. Parce que en islam, la liberté, c'est la soumission aux règles que l'on a choisi d'appliquer et c'est pas la soumission à nos désirs, la soumission à notre ego, la soumission qui font que c'est ton ventre qui décide pour toi, c'est ton bas-ventre qui décide pour toi, c'est tes yeux qui contrôlent et qui disent je peux pas m'empêcher de regarder, je peux pas m'empêcher d'avoir des désirs et d'être attiré et j'arrive pas à me contrôler. Dieu, il te dit d'accord, tu veux faire du développement personnel et tu veux cheminer, contrôle-toi, maîtrise-toi, soumets ton ego, c'est la première étape. C'est la première étape, mais on va s'apercevoir que l'étape 1, elle n'est jamais finie en réalité. C'est que ça va être de plus en plus facile et un truc, enfin, j'aime pas dire le mot facile, tu vas de plus en plus t'entraîner et parvenir à, et ensuite tu iras à l'étape 2 dont on va parler. Mais c'est pas parce que tu es à l'étape 2 que tu dois oublier l'étape 1, parce que sinon tu vas retomber dans la difficulté de l'étape 1 au début, du début où tu n'arrivais pas à te contrôler, du début où tu n'arrivais pas à soumettre ton ego. L'islam, c'est l'étape pour être le capitaine de ton âme, si je peux dire le capitaine du navire. Première étape en développement personnel au regard de l'islam, redevenir le capitaine à bord du navire. Mais redevenir le capitaine à bord du navire, c'est vérifier aussi s'il n'y a pas d'autres personnes qui essayent de contrôler le navire autour et si la société n'est pas en train aussi de jouer à la bataille navale avec ton bateau. Donc, pour pouvoir être le capitaine sur le navire, il faut accepter de connaître ce qui se passe dans le bateau. Et ça, c'est une étape. Mais c'est plus facile d'aller voir ce qui se passe sur le bateau des autres ou d'aller s'éclater dans l'eau que de faire le travail d'aller voir ce qui se passe sur le bateau. Et ce qui se passe sur le bateau, des fois, c'est pas facile. Puis en plus, dans le bateau, il y a des étages. Il y a les cales, il y a les machines, il y a le pont, il y a plein de choses. Donc, première étape, c'est l'islam, redevenir capitaine de ton âme et du navire. Savoir connaître ton bateau. Donc, le développement personnel en islam, c'est apprendre à se connaître. Apprendre ce qui ne va pas sur le bateau. Mais aussi apprendre ce qui va bien sur le bateau. Les points forts du bateau. Apprendre où le bateau aime naviguer. Apprendre ce qui convient au bateau. Et c'est quoi le but? C'est aussi une des traductions étymologiques du mot islam. C'est que c'est la racine trilitaire sin lam mim, c'est salam, c'est que trouve la paix sur le bateau
parvient à naviguer en paix. Et pour le faire naviguer, bissalam, voilà, c'est quand Allah va nous dire, Otrolouh, bissalam, entrez-y au paradis, bissalam. Et le développement personnel en islam, c'est apprendre à vivre, bissalam, avant le grand salam. C'est parvenir à trouver le salut et être sain et sauf et à pas couler, à pas faire couler le bateau. Donc le développement personnel en islam, c'est cela. C'est première étape. Enfin, il y a plusieurs méthodes, hein, mais si j'ai choisi celle-là parce que je trouvais qu'elle était parlante. Mais voilà, l'étape de l'islam. Deuxième étape, donc qui n'efface pas la première étape, c'est-à-dire que tu restes maître du bateau, c'est ce qui va te permettre d'atteindre la deuxième étape. C'est que finalement, comme tu es maître du bateau et que tu parviens tu as repris les rênes, maintenant, tu vas pouvoir t'intéresser à ce que tu vas mettre comme carburant dans le navire, si je puis dire. Ça me fait donc comment se fait-il que Dieu n'a pas mis d'abord le carburant avant l'islam? On aurait plutôt tendance à dire iman, islam, ihsan. Une des interprétations qui peut être plausible, c'est que Allah nous l'a dit dans le Coran, dans la sourate Les Appartements, verset 14. قالت الإعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Donc ça veut dire que l'étape de l'iman, vous ne l'avez pas encore passée. Vous n'en êtes pas arrivé là. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis, l'islam. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore donné le bon carburant au navire. Et donc, comment on donne le bon carburant au navire? Cette étape, elle consiste à nettoyer le cœur de tout ce qui n'est pas Dieu. Cette étape, elle consiste à travailler sur les fondations, sur tes convictions, sur les piliers de l'iman, hein, sur ton amour, sur tes certitudes, celles qui font que finalement, tu n'auras plus peur et tu ne te poseras plus la première question à laquelle on a répondu au début du rappel. Sur est-ce qu'on peut étudier la psychologie par rapport à notre islamité. Normalement, l'essence, c'est ce qui fait que tu trembles pas devant aucune science grâce au carburant. Le carburant du navire, c'est, si on reprend une autre image, ça serait l'encre dans le stylo. J'en parlais cet après-midi avec mon ami, sur le fait qu'elle a constaté qu'un certain nombre de frères et de sœurs autour d'elle, finalement, choisissaient et se rapprochaient d'un islam où il est question, où on ne parle que de l'islam, pardon, où on ne parle que de l'iman. Oui, c'est délicieux. C'est délicieux de parler de Usuluddin, c'est délicieux de parler de Allah et de ses sifat, c'est délicieux de parler de l'malaïka, c'est délicieux de parler de l'Jannah, oui, c'est délicieux philosopher sur le qada ou le qadar. Mais ça ne doit pas te faire oublier que l'essence, il faut le mettre dans une structure, sinon il n'a pas lieu d'être. Donc l'encre ne sert à rien s'il n'y a pas un contenant et un contenu. Et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles Allah a mis d'abord la soumission avant l'iman, pour que on ne soit pas tenté d'avoir une pratique qui serait que dans le cœur et où on en oublierait nos ibadat et on en oublierait nos obligations devant Dieu. Donc ça serait comme si la deuxième étape, c'est tu as maintenant le stylo en main, mais maintenant il faut l'encre, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a dans la structure un autre exemple qu'on pourrait prendre pour comprendre cette idée de ce qui ressort
C'est l'idée de comment on va, je vais prendre comme exemple la notion, comme une éponge. C'est comme une éponge, c'est ce qui va faire que quand on va essorer l'éponge, c'est ce qui en sort en fait de l'éponge. Et effectivement, Bab Salem, c'est là où il est question des 70 branches à travailler pour le stade de l'hymen. C'est à ce moment-là, effectivement. Et donc, on s'aperçoit qu'il n'y a rien d'antinomique entre le développement personnel et l'islam, et plus que ça, l'islam, c'est du développement personnel. Et donc, on pourrait écrire des livres là-dessus. Et la troisième étape, et c'est pareil, elle n'annule pas ni la deuxième ni la première, c'est tout simplement la direction du navire. C'est tout simplement le cap de l'excellence. Et j'aime prendre cet exemple, c'est que si la vie est un voyage, et si on entreprend de vivre en tant que musulman, et donc on entreprend de faire du méliorisme et du développement personnel en gardant le cap vers l'ihsan, normalement dans un voyage, il y a un départ et il y a une arrivée. Et lorsque tu entreprends le fait que tu décides d'apprendre à te connaître, parce que l'être humain c'est un monde à lui seul, il y a un départ, mais il n'y a pas d'arrivée dans le développement personnel. Il n'y a pas d'arrivée dans le sens où tu peux pas dire ça y est, je me connais. C'est bon, je suis arrivée au stade du meilleur de moi-même. Non, ça ne se termine jamais. Et en tout cas, quand je dis ça ne se termine jamais, c'est-à-dire que tant que tu es en vie, tu dois garder le cap vers l'excellence et tu ne dois pas te dire c'est bon, j'ai calé. En mode pilote automatique, j'ai calé le bateau, on a mis cap vers l'excellence, c'est bon, la soumission, c'est bon, Iman, le carburant, c'est bon, je me contente de ce qu'il y a. Non, tu peux pas. Tu peux pas parce qu'à un moment donné, déjà, tu vas t'apercevoir que tu es à sec, il n'y a plus de carburant. Tu t'aperçois aussi que le bateau, c'est toi, mais tu vis sur l'eau, et l'eau, c'est la société dans laquelle tu vis, et qu'il y a des vagues, il y a des choses qui se passent. Qu'il y a des gens autour de toi qui vont tomber de leur bateau et tu vas te demander et tu vas te poser la question de savoir est-ce que moi je dois descendre du bateau pour aller les sauver parce que ça fait 10 fois que je leur envoie des bouées mais ils veulent pas. Et donc certains vont expérimenter la triste expérience de décider de sauter du bateau et ils vont s'apercevoir que faut être très bon nageur et même les très bons nageurs quand ils veulent aider quelqu'un qui coule parfois finissent par couler eux-mêmes et qu'il faut qu'ils remontent très vite sur le bateau parce que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'être. Oui, la troisième étape, c'est la direction du navire, c'est garder le cap vers l'excellence et c'est maintenir le bateau sur la voie du Ihsan. Et c'est quoi maintenir la voie du bateau vers l'Ihsan? C'est pour ça on a créé ce groupe que je t'avais vers l'Ihsan, c'est essayer ensemble de s'encourager. Sur la voie de la pleine conscience que Dieu est là tout proche. La voie de la pleine conscience que Dieu il est là, qu'il entend, qu'il veille sur nous, qu'il nous regarde. Travailler sur la conscience de sa proximité. Et garder le cap, c'est maintenir la vigilance. Et seul, on ne peut pas. Seul, on ne peut pas. Alhamdoulilah, on a nos phares, on a le Coran, on a la Sunna. Mais l'être humain, on l'a vu au début du propos. Et il a une tendance à baisser son attention et il aura une tendance à rompre la connexion. Et Allah, il dit, quand il parle d'Adam alayhi salam, il dit, il aura cette tendance à ne pas forcément être ferme, ferme et solide, en tenant bien la barre. Et donc, voilà. Une des façons, je dis bien une parmi plein d'autres façons d'envisager le développement personnel en islam. Le développement personnel, c'est tout ce que je viens de dire, mais bien plus encore en islam, c'est aussi trouver l'équilibre. J'en parle dans PS Retour à l'essentiel.
C'est trouver l'équilibre dans les 12 fonctions que tu occupes sur Terre. C'est-à-dire que dans ton bateau, bah, tu as plusieurs fonctions que tu occupes. Tu t'occupes de cuisine, tu t'occupes de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui se passe à l'extérieur du bateau. Tu t'occupes des occupants du bateau qui n'ont pas encore suffisamment de maturité pour avoir leur propre bateau. Bref, tout ça, je l'explique dans PS Retour à l'essentiel. Le développement personnel en islam, c'est aussi lutter contre l'oisiveté. C'est le risque de. C'est ce que je disais encore un peu sur le fait que de ne rien. Oui, l'oisiveté, je pense que le mot est clair. Donc, en fait, comme je l'expliquais, c'est que en fonction de qui l'on est, on n'aura pas les mêmes choses et les mêmes efforts à faire sur. Dieu n'attend pas de nous les mêmes choses en fonction de ce qu'il a mis dans la graine. Il y en a qui vont devoir lutter sur leur tendance à l'oisiveté. Il y en a qui vont par contre devoir tender. Pardon, par contre, il y en a qui vont devoir lutter contre leur tendance à trop d'affairisme. Il y en a qui vont devoir lutter contre leur colère mal exprimée. Il y en a d'autres qui vont devoir lutter contre leur mélancolie morbide. Il y en a qui vont devoir lutter contre la perte de sens. Vous savez, perte de sens, on pourrait imaginer que c'est quand les aiguilles s'emballent sur la boussole et que tu ne sais plus où aller, quoi faire, quand tu sais plus ton navire, tu sais plus quoi faire et il tourne en rond. Le développement personnel en islam, c'est aussi le fait de chercher, enfin de travailler sur ta congruence. C'est une notion très importante dans le développement personnel en islam. C'est le fait que tu sois aligné entre ce que tu crois, ce que tu dis. Faut que ça soit aligné entre ce que tu dis et ce que tu crois. Première étape. Dire ce que tu crois, mais après, il faut faire ce que tu dis. Donc, c'est être aligné entre ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu fais de ce que tu crois et de ce que tu dis. Devoir faire. Et Allah, il dit, oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Car c'est une abomination auprès d'Allah que de dire ce que l'on ne fait pas. Donc, dans le développement personnel, c'est d'y aller à son rythme, de ne pas dire qu'on va, qu'on va, qu'on va, et à la fin tu fais rien. C'est d'être aligné entre ce que tu dis, enfin ce que tu crois et ce que tu dis. Déjà, c'est une grande étape. D'oser dire aussi ce que tu crois et de la meilleure des façons. Ça aussi, c'est une grande étape. Donc le développement personnel, s'il y a la notion de dire, c'est aussi la notion de communiquer. Dans le développement personnel islam, c'est d'apprendre et de savoir communiquer sur ce que tu crois et savoir communiquer avec les autres. Parce que le développement personnel islam, comme je l'ai expliqué au début de mon propos, c'est pas un développement égoïste. C'est un développement afin de créer bunyan marsous, c'est-à-dire des rangs serrés qui seraient comme un édifice renforcé, mais si ceux qui vont constituer le rang sont fragiles, comment on va pouvoir créer un édifice renforcé? Et c'est pour constituer un édifice renforcé qu'il faut que chaque individu comprenne qu'il y a un intérêt à ce qu'il fasse du développement personnel. Mais pas un développement personnel qui serait dans le moi-je. Et ça, si le temps me permet, je vais essayer de parler un peu là-dessus. Le développement personnel en islam, c'est être conscient du temps qui passe. C'est être conscient. Comme je l'ai dit dans la sourate Iqra, quand Dieu dit n'oublie pas, inna rabbika raji'un, n'oublie pas que la mort c'est comme une flèche qui est déjà lancée,
dans ta direction. Et le développement personnel en islam, c'est que tu es conscient que tu n'as pas de temps à perdre parce que ta vie ne va durer que le temps du trajet qu'elle va parcourir pour t'atteindre. Et ça me fait penser aussi à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que, qui, dans le sens, hein, je l'ai plus en termes exacts, mais c'est comme la vie, c'est comme si on était endormi, et que la mort, c'est se réveiller de ton état de somme. Et qu'est-ce que t'invite en réalité le développement personnel en islam à faire? C'est il t'aide à il cherche, il t'aide à chercher à t'éveiller avant que la mort ne te réveille pour de vrai, en fait. Et que là, tu comprennes. Ça me fait penser au témoignage de Steve Jobs quand il est sur son lit de mort et qu'il dit, quand il voit toutes les machines, et très beau témoignage, je vous laisse le lire. Et qui, en fait, ce que tu prends conscience à ce moment-là où tu sais, l'ange de la mort, tu es en train d'entendre ses pas arriver et se rapprocher de toi. Et là, c'est ça le fameux éveil où tu prends conscience de ce qui a été finalement superficiel, de l'important dans ta vie. Et le développement personnel en islam, c'est d'en prendre conscience avant que ça ne soit trop tard, finalement. Et ça, si c'est pas important, je vois pas qu'est-ce qui est important finalement. Pour moi, c'est ça le plus important. Comme je l'ai déjà dit dans un autre appel, c'est que la pire des choses qui peut nous arriver, c'est de dire Ya laytani qaddamtu li hayati. Ah, si j'avais préparé ma vie, c'est de mourir avec des regrets. Oui, on en aura forcément, ça n'existe pas. Même des prophètes ont demandé de vivre plus longtemps et pour pouvoir prêcher plus longtemps. 950 ans, Sayyidina Nuh, il n'avait pas encore. Il a dit que c'était comme s'il était rentré par une pièce et il est ressorti de l'autre côté. Donc, oui, ça c'est l'être humain qui est comme ça. Mais pour le moins, pour le regretter le moins possible, en se disant j'aurais essayé de faire. Voilà, j'aurais marché vers. Donc le développement personnel, c'est ça, c'est être conscient de cette ligne du temps en islam. Et c'est plus encore, mais comme je vous l'ai dit, j'écris des livres là-dessus. Aimer, croire et devenir, c'est aussi du développement personnel, apprendre à aimer, apprendre à réfléchir sur ça. Sur ses croyances et à devenir. Et quand je dis devenir, c'est devenir. Parce que je disais tout à l'heure que comment se fait-il que de nos jours, il y a de plus en plus une recrudescence de coaching, de désir de développement personnel, que c'est très à la mode, que c'est très tendance. Bon, il y a plusieurs facteurs. Si on reprend historiquement l'origine de ce métier, si je puis dire, c'était d'abord le coaching, ça c'est apparu déjà dans le domaine professionnel. C'était coacher mes employés pour qu'ils soient le plus productifs et endurants possible. Et puis après, ça va s'élargir au coaching de vie et à la vie parce qu'ils sont très vite aperçus que des employés qui sont pas bien chez eux, ils sont pas bien l'entreprise. Donc il faut quand même rappeler qu'au départ, il y a une notion de productivité. Et je ne sais pas si quelle partie on développe. Enfin, si je sais. Dans ce cas-là, on développe le moi et on ne développe pas ce que nous, en islam, on préconise le soi. Donc l'affirmation du moi, je dans le développement personnel, oui, il peut être en contradiction avec nos principes islamiques, parce qu'on sait qu'au fond de nous, mais si on fait référence à ce verset, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ici, le wa, in fine, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est-à-dire que vous aurez beau avoir en vous cette faculté de vouloir quelque chose, d'avoir la volonté, ce n'est que grâce à la volonté divine qui vous a laissé le droit de vouloir. Ce n'est que grâce à ce droit que vous avez pu vouloir. Donc ça veut dire que tout ce qui existe n'existe que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc oui, dans le développement personnel en islam,
c'est le soi qui est développé, pas le moi-je. Et que, bien évidemment, tous les sages vous diront de répéter attention à A'udhu Billah min Kalimat Ana. Et comment tu fais pour travailler sur A'udhu Billah min Kalimat Ana? Comment tu fais pour travailler sur cette tendance qu'aura l'homme à dire moi, je, Ana, Ana, Ana? C'est toi, tu dis, toi, tu auras tendance à dire Ana, et qu'est-ce qui te dit Dieu? Qul huwa. N'oublie pas huwa, sinon tu vas dire Ana. Donc, wama tasha'una illa yasha'Allah, ça doit ne rien enlever au fait que Dieu te laisse le libre arbitre, te laisse libre de choisir, de vouloir ou ne pas vouloir, parce que c'est sur ça qu'on va être jugé. Et donc, oui, dans le développement personnel en islam, on peut reprendre l'image de l'Khadir avec Moussa alayhi salam, où il lui a rappelé le Hua, parce que à l'époque, il disait Ana, il disait c'est moi qui sais, je suis l'homme qui sait, qui a le plus de savoir à l'époque où nous vivons. Et là, Allah, il lui a dit non. Et il lui a ramené Al-Khadir, qui ne sait que ce que Dieu a bien voulu qu'il sache. Toujours cette phrase, qui ne sait que ce que Dieu a bien voulu qu'il sache. Donc, dans le développement personnel en islam, en réalité, il n'est pas question du moi, mais il est question du soi. Et dans le coaching pur, sans spiritualité, oui, le risque, c'est que c'est le moi qui est gonflé à bloc. Yes, we can, yes, oui, yes, you are free, yes, c'est toi, tu vas y arriver. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est un nafs al-amaratu bis-sou qu'on est en train de encenser, de muscler. Et on est en train, dans cette société, de faire le règne du moi. Le moi, écoute-toi, pense à toi, mais toi qui? Quelle partie de ton toi? Le moi, c'est cette partie de nous, parce qu'on soit clair là-dessus. Le moi, c'est cette partie de nous qui est centrée sur sur l'extérieur. Le moi, c'est cette partie de nous qui aura une tendance égotique. Le moi, c'est cette partie de nous qui a ses fameux désirs personnels, ses préoccupations propres. Dans le moi, tout tourne autour de sa propre satisfaction. Tout tourne autour de... On peut tomber dans le nombrilisme, du nombril. Le moi, pour qu'on soit clair, c'est la partie qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Moi, je sais. C'est la partie qui n'aime pas qu'on lui dise qu'il a des limites. Comment ça? À partir du moment où je veux, je peux. C'est la partie qui n'aime pas qu'on lui dise qu'il y a des règles. J'ai envie, j'ai le droit. C'est la partie qui n'aime pas qu'il y ait des interdits. C'est la partie qui n'aime pas les frustrations. Allah subhanahu wa ta'ala j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan, et ne suivez pas les pas du diable. En fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que Dieu, il est le Dieu du soi. Et Shaitan veut être le Dieu du moi. Cette partie, quand Allah il dit, quand il jure par là, mais qu'il dit qu'il l'a créé, Fujuraha wa Taqwaha, quand Shaitan dit à Dieu, je me mettrai laisse-moi du temps, je me posterai sur le chemin. Et je vais te montrer que moi, cet humain que tu as créé, il va m'écouter. Donc ça veut dire je deviendrai son Dieu. Mais à quelle partie de nous il parle? À Fujuraha, à cette partie de notre âme qui aura cette tendance à pouvoir le suivre parce qu'il y a une tendance en nous, oui, qui n'aime pas les frustrations. Et lui, qu'est-ce qu'il te dit? Écoute-moi, tu as le droit de tout faire. Tu veux quelque chose? Tu peux l'avoir tout de suite. Clique, c'est très simple. Et la société de consommation d'aujourd'hui,
Vous pensez bien qu'elle ne s'adresse pas à notre soi. Elle s'adresse à notre moi. C'est le moi qui veut accumuler. C'est le moi qui consomme. C'est le moi qui s'agite dans tous les sens. C'est le moi qui fait. Le moi, c'est ce qui cherche à exister à l'extérieur. Il est tourné vers l'extérieur. C'est le moi qui dit Rosoloni Yanes, regardez-moi, ya Ibad al-Rahman. Le moi, c'est la partie de nous qui aura une tendance à la négligence. Le moi, c'est la partie de nous qui aura une tendance à l'rafla, à l'inattention. Le moi, c'est notre côté en nous qui aime, notre côté en nous épicurien, qui est attiré par les belles choses et les bonnes choses de la vie. Le moi, c'est ce qui est attiré par l'éphémère. Et le soi, c'est ce qui est attiré par l'essentiel. Le moi, c'est la partie hédoniste qui veut pas mourir. Le moi, il veut pas mourir. Le moi, c'est celui qui tient, qui a les mains serrées, qui veut maintenir, tenir, qui est accroché, qui lâche pas prise, qui a peur de disparaître. Le moi, il veut pas disparaître. Le moi, en réalité, le moi, il est tout petit, mais il veut takabbur. C'est pour ça, takabbur. C'est pour ça, parce qu'il veut grandir, parce qu'il sait qu'il est tout petit. Mais il est tout petit si on ne le nourrit pas. Et ce qui m'inquiète dans le développement personnel aujourd'hui, sans spiritualité, c'est qu'on nourrit le moi. Et dès que le moi laisse la place au soi, le paraître perd de l'importance au profit de l'être. Dès que le moi laisse la place au soi, l'admiration que recherchait le moi est remplacée par la reconnaissance, le shukr, dont est capable le soi. Mais le soi, c'est quoi alors? Dans le développement personnel et spirituel en islam, le soi, c'est ça qu'on doit nourrir. Le soi, c'est lui qui doit veiller sur le moi. C'est le soi, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous, de plus dense, de plus, c'est l'essence, c'est là où siège notre fitra, c'est là où siège notre fitra, c'est le noyau, c'est notre voie de la conscience, c'est là où, quand on ne sait pas, on doit aller poser la question. C'est notre voix de la conscience, c'est notre juge intérieur. Alors attention, un juge intérieur, le soi, il ne faut pas qu'il devienne tyrannique. Quand j'ai dit que le soi doit veiller sur le moi, c'est qu'il ne doit pas nier le moi. Il doit presque devenir son confident. J'entends, ô moi, cette partie du moi, je t'entends. J'entends que tu as besoin de ça. Je sais que tu as besoin de ça. Mais ne penses-tu pas qu'on peut trouver une autre façon de répondre à ce besoin qui plairait à Allah? Parce que quand le soi tyrannise le moi, si un jour, parce que le soi se nourrit de l'imam, il se nourrit du carburant du navire, et c'est le soi, c'est là où le la ilaha illallah se sent bien, c'est dans le soi. Et si un jour le la ilaha illallah, si un jour le tawhid, le yaqin, il est un peu fatigué, et on est en manque de carburant, on est presque à sec, très vite le moi prend le dessus. Et très vite, tu reprends très vite tes mauvaises habitudes, parce que les habitudes mauvaises sont dans le moi. Et si tu as eu tendance à trop tyranniser ce moi, le jour, c'est comme un lion. Dans une riwayat de Sayyidina Omar, il l'a comparé à un lion
en cage. Et le soi, ce serait celui qui le met en cage. Mais je sais, c'est violent comme parler, mais l'idée, c'est qu'il faut faire attention parce que le jour où il sort, il te dévore. Et il dévore et met en branle même sa famille. Où il te dit maintenant, je divorce parce qu'il faut que je m'occupe de moi. Je divorce parce que maintenant, il faut que je pense à moi. Et je divorce parce que je me suis oubliée. Mais quelle partie de toi t'as oublié? Le soi ou le moi? Si c'est le soi, j'entends. C'est audible. Celui avec qui tu vis ne t'autorise pas et ne te laisse pas la place au soi. Là, c'est danger pour toi, oui. Mais si c'est le moi, qui est en danger? Qui mets-tu en danger? Le soi, c'est celui qui est. Hein, c'est l'être. Le soi, il est. Le moi, c'est celui qui fait, qui a besoin de faire, d'avoir, de posséder, de montrer. Le soi, en vrai, juste, il est là, en fait. Et quand on est connecté au soi et qu'on parle au soi des autres, c'est de cœur à cœur qu'on parle. Sans faux semblant, sans paraître, sans vouloir se montrer, sans. En fait, on est authentique. L'authenticité, c'est dans le soi. Les masques, c'est dans le moi. Le moi, il est dans l'image. Le moi, il est dans l'image, donc il est multiple, il est complexe. Le soi, il est simple et il est unique. Et il est surtout singulier. Et c'est pour ça que le la ilaha illallah se sent bien dans cette unicité. Le moi, il est agité, il est changeant. Le soi, il est calme, il est serein. Le soi, c'est en soi qu'on va trouver le repos. Et au moment de mourir, c'est du soi qu'on aura besoin. Le soi, c'est ce qui te permettra de pas être le soi, c'est ce qui pérennise. Le soi, c'est celui qui cherche la sobriété heureuse, de ne pas être dans le matérialisme à tout prix et à n'importe quel prix. Donc le retour à l'essentiel, vous avez compris, ça se fait dans le soi. Et c'est le retour à l'essentiel que prône le développement personnel et spirituel de l'islam. Vous l'aurez compris. Donc c'est un long sujet passionnant qu'est le développement personnel et spirituel en islam. La dernière question qu'on avait vue, c'était comment l'islam ou la sira peuvent nous aider à surmonter les difficultés au quotidien et comment nous y référer et l'étudier, l'analyser, la décortiquer pourrait nous permettre de mieux vivre notre vie au quotidien. Bon, y a plus, c'est pareil, ça c'est un livre, mais de nos jours, on constate que je parle pas de ceux qui seraient de nos jours en train de vivre des choses, des grandes épreuves que sont la guerre, la famine, la migration, etc. Je parle de ceux qui sont dans leur petit train-train, leur confort, même s'il y a des difficultés au quotidien, mais qui quand même ont un toit, mangent à leur faim et voilà, ont un toit et mangent à leur faim. Et de nos jours, ceux-là, leur seuil à supporter l'inconfort, et notre seuil à supporter l'inconfort, il est fort bas. On s'habitue au confort. Et se référer à la sira
et à la vie des prophètes en général. Moi, quand je dis la sira, je dis les sira en fait, c'est la vie des prophètes, parce que vraiment dans le développement personnel et spirituel, comme je l'envisage et je le conçois et j'ai commencé à le faire dans Aimer, croire et devenir, c'est vraiment la vie de tous les prophètes qu'il faut étudier pour profiter des enseignements divins. Quand tu fais référence donc à la Sira et au Sirat et à la vie des prophètes en général, ça doit te permettre de relativiser et de voir que, donc de relativiser dans un premier temps et premièrement, de remettre à l'échelle de tout ce qui a été vécu depuis la première des générations jusqu'à aujourd'hui, tes problèmes et ce qui a pu être vécu par les générations qui nous ont précédés. Et puis, de voir que, j'ai envie de dire, de ne pas oublier que ce n'est pas parce que tu es mal aimé que tu es éprouvé. Et là, Dieu nous, en ayant multiplié les exemples, parce que la majorité du Coran parle de ça, en multipliant les exemples tirés de la vie des envoyés, Dieu nous montre comment il les a mis à l'épreuve alors que ce sont ses envoyés. Et Dieu nous dit, ne pensez pas pouvoir dire j'ai cru sans être éprouvé, et que Dieu nous facilite et nous donne que des épreuves que l'on sera en mesure de supporter. Amin. Donc l'étude de la Sira et des prophètes en général, et notre islamité, notre islam, notre religion, ça doit nous faire être assurés sur le fait que ce n'est pas parce que tu es mis à l'épreuve que Dieu ne t'aime pas. Il suffit que tu regardes et lises le Coran et lises les Sira pour constater que ils ont tous été mis à l'épreuve, et ainsi que ceux qui les ont suivis, jusqu'à ce qu'ils disent Mata Nasrullah. Parce qu'ils disent, mais quand est-ce que va-t-il arriver, c'est-à-dire jusqu'au bout du bout, le secours de Dieu. Et ils ont vécu l'épreuve de. Donc, ce qui va être intéressant dans l'étude de ces Sira, c'est quoi? C'est d'étudier quelles ont été leurs épreuves. Ils ont vécu l'épreuve du bannissement. Tu prends l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été banni des siens, le bannissement des tiens. Quand ils ont vécu le boycott, la famine, les faux témoignages dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épreuve de la jalousie dans la fratrie, l'épreuve de la maladie, etc. etc. Et qu'est-ce sur quoi elles ont pu compter? Uniquement sur la fermeté de leur foi et sur la et d'abord et surtout sur la miséricorde d'Allah. Et c'est pour ça que la première des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la plume, et là je reviens à la première question dont j'ai parlé au début du rappel, Allah a créé la plume, c'est la première des choses qu'il a créée. Et qu'est-ce qui va lui faire écrire que sa miséricorde l'emporte sur sa colère? Allah. Donc la Sira, elle nous aide. Elle nous aide à compter sur cette miséricorde, à compter sur l'amour d'Allah qui précède tout. Et il nous a créés que par amour. Et il nous a créés que par amour. Et quand tu fais quelque chose par amour, tu ne peux pas lui faire du mal. Donc les sirah nous aident à ne pas nous positionner
défaitiste ne doit pas nous faire nous positionner en victime. Ça ne doit décortiquer, étudier, ça ne doit pas nous faire être fataliste non plus. Étudier la Sira et dans le développement personnel et spirituel et la vie des prophètes, ça fait partie de comment je vais vous dire ça? Ça fait partie de nos capacités que Dieu a mis dans la graine. C'est-à-dire que dans l'être humain, Allah a mis plusieurs facultés qui sont inhérentes à la nature humaine. Parmi ces facultés, Dieu a mis la faculté d'obéir. L'être humain est fait pour obéir. Mais il faut qu'il choisisse d'obéir à qui, à quoi? À son moi, à son soi, à Allah, au soi de quelqu'un d'autre, au moi de quelqu'un d'autre. Dans l'être humain, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a mis la faculté d'obéir. C'est-à-dire qu'il ne nous demande pas d'obéir à quelqu'un qui n'est pas en mesure d'obéir. Non, l'être humain est fait pour obéir, mais il faut qu'il choisisse, et il lui a donné le libre arbitre, la ikrar al-fiddin, pour choisir à qui il veut obéir et à quoi. Et c'est ça, se libérer. Et dans la graine aussi, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis la faculté de modéliser. Et c'est pour ça qu'il dit « وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ » Le meilleur des modèles. Uswatan hasana. Parce qu'il sait que dans l'homme et l'être humain aura une tendance à modéliser. C'est pour ça qu'il dit aussi « Iqra ». Lis, modélise en fait, apprends. Lis en la nature et modélise. Et c'est grâce à sa faculté de modéliser qu'il a modélisé les oiseaux et qu'il a su voler. Qu'il a modélisé les poissons et qu'il a su naviguer, qu'il a nagé, qu'il a su, etc., etc., etc. Enterrer les morts. C'est en modélisant deux oiseaux qu'il a su que, le fils d'Adam a su enterrer son frère qu'il venait de tuer. Donc, en quoi doit nous servir la Sira, c'est pour mettre à profit, c'est finalement le mode d'emploi, c'est trouver nos héros pour répondre à ce besoin qu'on en a à nous de modéliser nos modèles en fait. D'où l'intérêt de bien choisir nos modèles pour nos enfants et pour tous ceux qui nous entourent. Et ne pas nous tromper de modèles. Parce qu'on va avoir tendance à vouloir chercher nos modèles. Et on va se tromper dans nos modèles. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. De se tromper de modèles. Ça, je le montre dans Aimer, croire et devenir. Je vous invite à lire. Il y a un très beau passage là-dessus. Sur l'étude de ce dialogue. Entre Dieu moi je préfère que ne pas rentrer dans ce sujet, sinon je vais pas m'arrêter. Donc pour dire quoi? Pour dire que comprendre que ils ont vécu toutes ces épreuves et que il y a en eux le meilleur des modèles et on doit c'est une science la science de modéliser enfin, apprendre à modéliser c'est marcher sur les pas wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan, ça veut dire quel pas marcher dans les pas de qui hein, les pas de ceux qui nous ont précédés dans la lumière donc un exemple. Il y a un enterrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé à ses compagnons le principe de la croyance au destin, le destin inscrit, al-qadr. Et voilà, il y a un enterrement et le prophète en profite. Donc voilà, regardez encore une pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un enterrement. Et il en profite pour leur parler du destin inscrit.
Parce qu'il n'y a pas mieux qu'un enterrement pour que tu te poses la question de ce que toi tu vas faire de ta vie. Et donc, il leur parle del qadar, du destin qui est inscrit. Alors les compagnons, ils vont lui répondre, bon alors, bah, si c'est écrit, bah, pourquoi on doit agir alors? Question qui est légitime, question qui est humaine. Donc il ne faut pas avoir peur de se poser les questions. C'est pour ça que la question de la légitimité de la psychologie de l'islam, c'est il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Regardez les questions qu'ont osé poser les compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est écrit, pourquoi agir alors? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire non. Agissez car de cette façon, chacun accomplira sa destinée. C'est une magnifique réponse. Donc, si je, pourquoi je voulais, j'ai pensé à cet exemple-là, parce que là, dans cet exemple, la Sira, qu'est-ce qu'elle te dit? Bah, garde confiance, ne capitule pas, et reste le maître tu dois rester maître de ton libre arbitre, et accomplis quoi ta destinée. Accomplis-la. Donc, étudier la Sira, c'est garder confiance au qadar en fait et confiance que Dieu même si c'est qadar Allah ma sha'a fa'ala bien sûr mais Dieu t'octroie le potentiel et le choix d'agir ou de ne pas agir et donc et jusqu'au bout, il t'invite à agir. Ça me rappelle aussi un autre hadith où si l'heure de la fin des temps sonne et que tu as un petit palmier à planter dans ta main, bah, tu ne dis pas qu'il est trop tard pour bien faire, plante-le. Et c'est ça l'étude de la Sira aussi. Et l'étude de la parole des hadiths. Des hadiths, c'est de. Qu'est-ce que ça doit te permettre d'obtenir en toi? C'est l'envie de quand ça va pas, de dire non, je dois continuer d'essayer de faire quoi. De maintenir cette idée que dans tous les cas, même si l'heure sonne, je continue à planter ma graine et à porter ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Et pour terminer mon propos. Dans cet édifice d'un monde meilleur, Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Il t'aide en te disant comment tu vas y arriver finalement. Et tu vas y arriver comment? Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui faites partie de ceux qui croient et qui disent nous croyons, maintenant, asbiru wa patienter, faites preuve de patience et rivaliser de patience, c'est-à-dire essayer d'être plus patient que ceux qui sont déjà patients. Warabito, ça peut vouloir dire plein de choses. Restez sur le qui-vive, soyez des sentinelles, restez vigilants, donc n'ayez pas peur que vos peurs vous servent, que vos inquiétudes vous servent à être vigilants. Et wattaqullah la'allakum, comment donc, et craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah. Faites preuve de crainte révérentielle, c'est-à-dire craignez Allah, taqullah, c'est aussi donc appliqué, hein, soumettez-vous, la'allakum tuflihun, afin d'être heureux. Donc étudiez la Sira et l'islam et son Coran, effectivement, tu y trouveras des jalons et des outils pour t'aider à trouver ce que recherchent en réalité tous les êtres humains. Être heureux et assalam, la paix et le bonheur intérieur qui se trouve uniquement dans le soi. Donc le développement personnel et spirituel en islam, c'est tout ça et plus encore, car comme je l'ai dit, tout ce qu'on pense pouvoir, tout ce qu'on pense comprendre n'est valable que au moment T et qu'il y a plein de choses encore qu'on ne sait pas et il y a plein de choses dont on ignore et qui se sont passées et qu'on n'a pas encore compris. Donc on dit al-ilmu lillah,
Al-ilmu lillah, je pense que c'est la meilleure des conclusions. Et la meilleure des conclusions aussi, c'est de demander à Allah al-ilm al-naf', de demander à Allah la science qui nous sera utile. Parce que n'importe quelle science, et on sait et on connaît la catégorie que Dieu a décrite de ceux qui auront la science, mais qui font partie des premiers à entrer en enfer, et qu'Allah nous en préserve, et que Dieu nous permette de faire partie de ceux qui vont lire au nom de leur Seigneur et qui vont être comme ce qalam sur terre. Une des clés, mes frères et mes sœurs, une des clés vraiment qu'Allah me pardonne si je me trompe, et en tout cas, c'est une des clés, Allah alam, c'est d'être ce qalam sur terre. Et en fait, c'est quoi ce qalam sur terre? C'est de demander à Dieu qu'il écrive par notre intermédiaire, en fait, qu'il nous aide à écrire la destinée qu'il veut pour nous par notre intermédiaire, cette destinée qu'il accomplisse par nous. Son plan divin, et qu'il nous permette d'avoir cette sagesse de comprendre ce plan divin, qu'il nous accorde al-hikma, cette sagesse qui va nous permettre, et cette basira, de comprendre et d'avoir cette faculté de prendre suffisamment d'auteur pour voir du dessus ce que Dieu attend de nous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide dans cette voie-là, qu'il nous prête vie, subhanallah. C'est quand je disais tout à l'heure que le développement personnel, c'est essayer de comprendre ce que tu comprends au moment où tu entends les pas de l'ange de la mort avant que tu ne les entendes. Le développement personnel et spirituel en islam, c'est réussir à dire je commence à comprendre. Aqawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad ahlihi wa sahbihi wa min tabi'ahu bi ihsan ila yawm al-din. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عندنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عندنا، فاغفر لنا فاغفر، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا ودعاء مستجبا، ولا تدعنا فردا، ولا تدعنا فردا، ولا تدعنا فردا حتى أقل من طرفة عين. أجعل الملائكة فوقنا وأمامنا ومن خلفنا وعن يميننا وعن يسارنا، واجعلهم يحبون ونحبهم. اللهم يا حي يا قيوم، ارزقنا بحسن الصحبة، الصحبة مع أهل العلم، الصحبة مع العلماء، الصحبة مع أهل الجنة، الصحبة مع أوليائك، الصحبة مع أهل الكتب. اللهم يا حي يا قيوم، لا تتركنا فردا، لا تتركنا فردا، وأنت خير الوارثين. أورثنا بالعلم النافع، أورثنا بالعلم النافع، أورثنا بالحكمة والإخلاص والصدق واليقين. أورثنا يا حي يا قيوم بحسن الختام. اللهم نسألك حبك وحب ما يحبك، وحب دينك وحب طاعتك، وحب الأنبياء وحب الأنبياء وحب الأنبياء وحب القرآن الكريم. وفهمنا الحاجات اللي لازمنا نفهمهم، وفهمنا الحاجات اللي لازمنا نفهمهم، وفهمنا الحاجات اللي لازمنا نفهمهم. وارحم والدينا كما ربيانا صغيرة، وارحم والدينا كما ربيانا صغيرة، واهدي أولادنا، واهدي أولادنا، وأزوج إن شاء الله أمتنا يا حي قيوم مع أهل الجنة، وفرج عليهم إن شاء الله، وفرج على إخواننا في كل مكان، وفرج على إخواننا في كل مكان، وفرج على إخواننا في كل مكان. اللهم فرج على إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي برمانيا. اللهم وفي كل مكان، لا تدعهم فردا، لا تدعهم فردا.
حتى أقل من طرفة عين، وانصرهم واجعل كلمة لا إله إلا الله هي العليا، لا إله إلا أنت. في أمان الله يا أمتي، في أمان الله يا أمتي. Je comptais pouvoir lire vos questions et pouvoir communiquer avec vous, mais il se fait tard, je vous avoue qu'il se fait tard. Je me permettrai de lire vos commentaires plus tard, et s'il y a des questions, je tâcherai d'y répondre, et puis si je ne peux pas, pardonnez-moi. Et voilà, qu'Allah nous aide sur son chemin, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum Baba, si tu étais encore avec nous. Assalamu alaikum Amali. Assalamu alaikum Hanan. Assalamu alaikum à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Je crois que ma maman aussi nous a rejoint. Assalamu alaikum Mima. Que Allah vous protège et vous bénisse. Wa fi amanillah. Assalamu alaikum.